Salut à tous les amis, on est de retour pour la suite. Et évidemment, comme vous le voyez, la fin de notre mode campagne pour cette Coupe du Monde de Quidditch. Et c'est parti. Alors on a qu'un... Bon, on a débloqué plusieurs choses de difficulté. On va le mettre en standard, hein, tranquillou, on va aller tranquillou. Et on a choisi la France, évidemment. Let's go pour cette Coupe du Monde. Le test ultime pour une équipe, c'est la Coupe du Monde de Quidditch. Les nations du monde des sorciers envoient leurs meilleurs joueurs remporter une gloire internationale. Tes joueurs peuvent-ils dominer les autres pour devenir les plus grandes stars du Quidditch? Dites-moi, est-ce que le fait d'affronter le Brésil lors de votre premier match vous fait aussi peur qu'on le dit? Soyez honnête. Allez, c'est parti pour ce premier match de cette coupe avec la France face au Brésil. Ça rappelle la Coupe du Monde, hein. C'est pile poil la Coupe du Monde. Donc c'est parti, on a la première phase de coupe avec le Brésil. Donc c'est parti, hein. Vous savez un peu comment ça marche. Le stade il est magnifique, c'est génial. Et le but bah, évidemment c'est de gagner la coupe, hein, tout simplement. Donc je ne vais pas trop parler pendant le match parce que vous connaissez un petit peu, on en a déjà fait pas mal de matchs depuis le début de l'aventure. Vous savez de quoi ça a l'air. Donc c'est parti pour ce France-Brésil. Le swap est passé. Ça y est, un tir incroyable. Et le soif le met dans le mille. Le tir et le soif le met dans le mille. Voilà le Victor. Mais qui sera le premier à l'attraper? Le Brésil encaisse le tir. Mais quel bel arrêt! Face à un coéquipier. Il passe à son coéquipier. Ce vif d'or n'est pas loin d'être attrapé. C'était un arrêt incroyable. Le soif l'est tiré. Comme vous le savez, on ne m'impressionne pas facilement. Mais même moi, je dois reconnaître que cet arrêt était splendide. Peut-être le milieu du match, mais tout peut encore arriver. La France dans le mille.
Allez, allez, on a bientôt fini le match, il nous reste un point pour pouvoir bloquer et terminer ce match pour ce France-Brésil. On les a ramassés, hein. On les a pas laissés une seule miette. Allez, bim! Et voilà! À travers le but. On a gagné ce match. Premier match des phases. Les larmes de 100 joie à de 0. Cool. Et beau ce drapeau français quand même. Hein. Nickel, défi réussi. Parfait. Allez, France, Brésil, Allemagne, Autriche. Autriche, Australie, pardon. Allez, le match suivant, à mon avis, c'est avec l'Allemagne peut-être? Non, l'Australie. Ok. Et ben, let's go! On continue. Il risque d'y avoir quelques os cassés aujourd'hui. Les vrais fans de Quidditch savent que, sur le terrain, il ne faut pas sous-estimer la colère de l'Australie. De leur côté, les Australiens espèrent qu'une victoire aujourd'hui fera d'eux l'équipe à survivre. La poursuiveuse cafouille. Elle passe le souffle. Encaisse le tir. Mais quel bel arrêt! C'est une passe du soir. C'est une passe à un coéquipier. Et le soif l'est lâché. C'est une passe du soif. Oh, juste ici. C'est terrible de voir ça. Le soif l'est passé. Le tir est parti. Mais quel bel arrêt! Le soif l'est passé. Il fait une passe. Elle tire. Arrêt de l'Australie. Qui sera le premier à trouver le vif d'or? Le vif d'or. Et elle marque. À terre. Le soif l'est tiré. Est à bout de souffle, d'elle. Et voilà que l'Australie s'en empare. Voilà que l'Australie s'en empare.
Il est en cavale. C'est une passe du Souabe. Et voilà que l'Australie s'en empare. Quelqu'un ferait mieux de marquer avant que la foule s'endorme. Ça cafouille un peu. Et le soif l'est lâché. C'est une passe du soif. Le sput! Comme vous le savez, on n'impressionne pas facilement. Mais même moi, je dois reconnaître que cet arrêt était splendide. La lutte, la poursuiveuse marque! Voilà le vif d'or. Mais qui sera le premier à l'attraper? L'Australie encaisse le tir. Arrêt de la France. Et voilà que l'Australie s'en empare. C'est une passe à un coéquipier. L'Australie encaisse le tir. Arrêt de la France. Allez, allez, il faut vraiment qu'on les a, ces Australiens. Pour l'instant, on gagne, ça a l'air cool. Après, j'ai mis en mode standard, hein. Ça veut dire que j'ai mis en mode normal. Je ne suis pas cassé la tête. C'est parti. On cherche le vif d'or. C'est une passe à un coéquipier. Allez, allez. Il faudra taper vraiment si je dors pour pouvoir une marge. Ah, il a récupéré l'enfoiré. L'or a été attrapé. Ah, il a récupéré. Putain, j'aurais pu gagner déjà ce match. Allez, allez. Il reste 25 secondes. On le marque. Eh merde, il a récupéré. Allez, de toute façon, on a gagné. Là. Le match, il est fini. 80 à 30. C'est pas mal. Ça devient serré. Ouais, je l'ai récupéré, nickel. Ah, mais c'est bon, de toute façon, c'est fini. Ok, 80-30. On a gagné quand même. Parfait. Ok, bon, là, j'imagine que ça va être l'Allemagne, du coup. Le prochain match. Ouais. Ok. Dernier match de la phase finale. Et après, je pense qu'il restera encore 3 matchs et on aura fini. Désolé hein, si je parle pas durant les matchs, mais bon, c'est bon, on connaît les matchs, on sait comment ça se procède. Donc, voilà. Ça a été très court, hein, cette petite aventure. Il était même pas prévu sur la chaîne, comme je vous l'ai dit. J'aimerais savoir, êtes-vous au courant du nombre de joueurs que le batteur allemand a assommé cette année? La fameuse Rita Skeeter. Qui raconte toujours la merde d'ailleurs. Allez, France-Allemagne. Le soif est en jeu.
Le swap est passé. Arrêt de l'Allemagne. Le soif les tirer. Arrêt de la France. Le poursuiveur passe. Un tir incroyable. La France encaisse le tir. Oh, c'était un arrêt incroyable. Mais quel bel arrêt! Victor est sur le terrain. Le tir est parti. Arrêt de l'Allemagne. C'est une passe à un coéquipier. Le vif d'or est repéré. L'Allemagne encaisse le tir. Arrêt de la France. Il passe le soir. La France encaisse le tir. Mais quel bel arrêt! C'est une passe à un coéquipier. Mais c'est une interception! Le soif l'est tiré. Et ça passe à côté de l'anneau. Quelqu'un ferait mieux de marquer avant que la foule s'endorme. Ce vif d'or est à bout de souffle. D'elle. Le tir est parti. Et le tir est raté. Vous savez, on ne m'impressionne pas facilement. Mais même moi, je dois reconnaître que cet arrêt était splendide. Elle fait une passe. Dans le mille. Aligne le tir. Le swap est passé. C'est une passe à un coéquipier. Et il jaillit à travers le but. Et le swap le met dans le mille.
j'entends le vivant. Mais où est-il? Le vif d'or est repéré. Oh, juste ciel. C'est terrible de voir ça. La poursuiveuse marche. Presse 60 secondes. Ce vif d'or est à bout de souffle d'elle. Le tir est parti. Allez, allez, allez. Ce et vif ça d'or passe là. À côté de la cible. Il faut qu'on ait ce vif d'or. Les Allemands, ils nous ont pas marqué un seul point. Donc là, si on gagne, on marque 120 points. C'est déjà pas mal. 120 à 0, c'est déjà énorme. On aura fait mieux qu'avec le Brésil. Hein. Le vif d'or a été attrapé. Oh, aïe, aïe, merde. Bon, de toute façon, on a gagné. De toute façon, on a gagné. Il reste 20 secondes. Allez, le dernier point. Aïe. Et bim. Parfait. Ok, 130. C'est pas mal. Très bien. Félicitations à la France. Et oui, mais on va gagner cette Coupe du Monde, les amis. On va gagner cette Coupe du Monde. Bon, là, on va affronter évidemment les mêmes équipes. Hein, Il risque d'y avoir quelques os cassés aujourd'hui. Les vrais fans de Quidditch savent que, sur le terrain, il ne faut pas sous-estimer la colère de l'Australie. Allez, France-Australie encore une fois. Et là, à mon avis, ils vont devenir de plus en plus agressifs. Hein, parce que là, on est dans la... C'est les trois derniers matchs pour récupérer la coupe. Donc, let's go, on se concentre et je vous laisse profiter de ce petit match. Il passe à son coéquipier. Allez, let's go. La France encaisse le tir. Arrêt de l'Australie. Et il est intercepté. Et voilà que l'Australie s'en empare. Est parti. Mais quel bel arrêt. L'Australie encaisse le tir. Il passe le swap. Le swap est passé. Ah, c'est raté. Bien essayé, poursuiveuse. Et le swap l'est lâché. Le tir est parti. Arrêt de la France.
Ce genre de coup risque de laisser plus qu'un petit bleu. Le soif est passé. C'est une passe du soif. Mais quel bel arrêt! C'est une passe du soif. Et voilà que l'Australite le vif d'or est repéré. Le soif est passé. L'Australie encaisse le tir. Arrêt de la France. Milieu du match, l'autre équipe peut-elle encore renverser la vapeur? Comme vous le savez, on ne m'impressionne pas facilement. Mais même moi, je dois reconnaître que cet arrêt était splendide. Le soif l'est tiré. C'est une passe à un coéquipier. Et voilà que l'Australie s'en empare. C'est une passe du soif. Le soif l'est tiré. Arrêt de l'Australie. Le tir est parti. Mais ça passe à côté de la cible. Que l'Australie s'en empare. C'est une passe du soif. Le soif est tiré, mais ça passe à côté de la cible. Le soif, voilà le vif d'or. Mais qui sera le premier à l'attraper? Le tir est parti. Mais le tir passe à côté. C'est une passe à un coéquipier. Le soif l'est passé. Le soif est passé. Mais la France l'intercepte. Ce vif d'or n'est pas loin d'être attrapé. Plus qu'une seule minute de jeu. Il passe le soif. L'Australie encaisse le tir. Le vif d'or a été attrapé.
Encore 30 secondes. Soif les temps cavalent. Le poursuiveur passe. Et voilà que l'Australie s'en empare. Allez, allez, allez. Il nous reste très peu de points à gagner. C'est bon, on a pris le soif. Et on va essayer de marquer un but. Allez, boum. Nickel. Parfait, parfait, parfait. 80 points. Bon, bah parfait. On a gagné ce match. C'est parti. On continue. Tac, tac, tac. Ok, ok. Parfait. Et je pense que là, qu'il nous reste deux matchs, il me semble, ou le dernier match, je sais pas. Pourriez-vous nous expliquer comment vous comptez stopper la série? Non, c'est l'avant-dernier match. Face à l'Ouganda. Ok. Ne vous inquiétez pas, vos secrets seront bien gardés avec moi. Ok. En gros, c'est la demi-finale. Et après, il y aura la finale. C'est parti! Let's go pour ce match! Et le soif les lâcher! Il tire un tir incroyable. Et il est intercepté. Et le soif le met dans le mille. Le tir est et le soif le met dans le mille. Le tir est parti. Arrêt de la France. Le vif d'or est repéré. Il passe le soir. C'est une passe du soir. Un peu. Le soif les tirer. Arrêt de l'Ouganda. Ce vif d'or n'est pas loin d'être attrapé. La France encaisse le tir. De l'Ouganda. Mais la France l'intercepte. La foule s'agite vraiment aujourd'hui. Mais je sens que les deux équipes vont se démarquer.
Ça y est, il tire. Mais quel bel arrêt! Comme vous le savez, on n'impressionne pas facilement. Mais même moi, je dois reconnaître que cet arrêt était splendide. Ça cafouille un peu. L'Ouganda encaisse le tir. Mais quel bel arrêt! C'est une passe du souffle. C'est une passe à un coéquipier. Mais c'est une interception! L'Ouganda encaisse le tir. Arrêt de la France! Elle fait une passe. L'Ouganda encaisse le tir. Et... c'est raté. Elle passe le soir. C'est une passe du soir. Les yeux se fixent sur le vide d'or. Le souffle est passé. Le souffle est... et c'est but! Passe à un coéquipier. C'est une passe du soir. Le tir est parti. Et ça passe à côté de l'anneau. Plus qu'une minute restante pour gagner le plus de points possible. C'est une passe du souffle. Quel match de fou, les amis! Quel match de fou! Allez, dernier coup, et c'est bon! Mais quelle course! Parfait! On a fini ce match! 110 à 0. Un peu le classement à l'issue de ce match. Parfait, France-Ouganda. C'est parfait. Allez, il nous reste le dernier match pour la finale. Et c'est face au Mexique. Ouh là là. France-Mexique pour la finale de cette Coupe du Monde de Quidditch. Et ce sera fini. On aura fini le mode campagne. Donc, let's go. C'est parti. Disent que la finale de la Coupe du Monde est une bataille à la fois mentale et physique. À votre avis, qui du Mexique ou de vous va céder à la pression? Le soif est en jeu. La ligne le tire. Arrêt du Mexique. Il passe le souffle. Le souffle est tiré. Mais quel bel arrêt! Et le souffle est lâché.
C'est une passe du souffle. Le tir est parti. Arrêt de la France. Elle tire, elle marque. Oui, ce genre de coup risque de laisser plus qu'un petit bleu. Mais le Mexique l'intercepte. Et il est intercepté. Le souffle est passé. Le souffle est passé. Victor Birbolt. Le Mexique encaisse le tir. Le vive, mais le tir n'est pas bon. Un peu. Le tir est parti. Arrêt du Mexique. Ce vif d'or n'est pas loin d'être attrapé. Il tire. Ah, c'est raté. Bien essayé, poursuiveur. Comme vous le savez, on ne m'impressionne pas facilement. Mais même moi, je dois reconnaître que cet arrêt était splendide. Il a perdu le soin. Le soin l'est passé. Le poursuiveur marque un but. C'est une passe du souffle. C'est une passe du souffle. Ça y est, il tire. Encaisse le tir. Arrêt de la France. Le soif est tiré. Mais le tir passe à côté. Dans le mille. Voilà le vif d'or. Mais qui sera le premier à l'attraper? Le type. Et ça passe à côté de l'anneau. Le souffle est passé. Le souffle est passé. Elle tire. Mais ça passe à côté de la cible.
un coéquipier. Plus qu'une minute restante pour gagner le plus de points possible. Ce vif d'or est à bout de souffle. Gel. C'est une passe du soif. Le tir est parti. Mais le... Vite! Il ne reste que 30 secondes. Le vif d'or a été attrapé. Elle passe le soif. Il passe à son coéquipier. But! Félicitations à la France, qui remporte une victoire digne de faire la une. C'était Rita Skeeter, auteure à succès, journaliste primée et désormais commentatrice de Quidditch respectée. À la prochaine fois, cher public. Bon, c'était la fin de notre petite campagne sur Harry Potter champion de Quidditch. Et avec cette victoire, la France remporte la très convoitée Coupe du Monde de Quidditch. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.